contrôle de toutes choses. Amen. Il nous dit dans l'évangile selon Saint Jean, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Amen. Que vos cœurs ne sortent pas dans le doute. Et il nous exhorte à croire en Dieu, c'est-à-dire à croire en lui. Amen. Il est vivant et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Ce dimanche, il nous a mis à cœur comme thème par son Saint-Esprit de partager sur le chrétien que tu es, que je suis, que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes et la gestion des énigmes de la vie. Le chrétien est la manière dont tu dois gérer toutes les énigmes de la vie. C'est quoi ça, une énigme? Une énigme, c'est une question difficile à résoudre. Une énigme, c'est quelque chose qui est difficile pour la compréhension des communs des mortels. Et il y a beaucoup d'énigmes. Tous les jours ici, il y a des questions, des choses qui nous arrivent, qui sont des énigmes. Or, notre victoire ou notre défaite dépend de la manière dont nous allons gérer ces énigmes. Amen. Il y a des problèmes qui se posent devant nous, qui normalement ne doivent pas se poser. Il y a des choses qui nous arrivent individuellement, qui nous arrivent en famille, qui nous arrivent en tant qu'assemblée. Et on regarde en haut, on regarde en bas. On se dit, pourquoi cette chose? On se pose la question. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous révéler comment bien gérer ces énigmes. Quelle est la réponse de Dieu? Quelle est la manière de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme formule? Parce que c'est de cette manière, je l'ai fait, que dépend est ta victoire ou ta défaite. Tout est entre nos mains. Nous allons lire un court passage dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Un chapitre très connu, parce qu'au début du chapitre, il nous est défini ce que c'est que l'amour selon Dieu. Mais lorsque nous dépassons ce point, nous dépassons la définition de l'amour, à partir du 8e verset, Dieu nous parle par la bouche de l'apôtre Paul. Et il nous révèle quelque chose. Un passage qui va nous aider à comprendre comment gérer les énigmes. Parce que ce que Dieu me dit, c'est qu'on ne gère pas sur tout bien. Voilà pourquoi parfois nous avons des difficultés à tirer de certains problèmes. Voilà pourquoi parfois nous sommes la proie du diable. Le diable parfois nous tend des pièges, comme on veut l'entendre. Mais nous devons nous sortir de tous ces pièges-là. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu nous donne toujours la solution. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 13, et nous lisons à partir du 8e verset jusqu'à la fin du chapitre. Donc du verset 8e jusqu'au verset 13e. Il est écrit ici, dans la parole de Dieu que j'ai mis, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La charité, ou l'amour, dans certains versets de la Bible, ne périt jamais. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Il est écrit ceci donc. La charité, ou l'amour, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues
descendre. La connaissance disparaîtra. Pourquoi cela va disparaître? Ces choses vont disparaître. Il dit, car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Au 12e verset, donc, il explique ce qu'il a dit aussi au verset 9e. Il dit, aujourd'hui donc, nous voyons au moyen d'un miroir. Voilà pourquoi nous ne savons pas tout. Nous ne voyons pas tout. C'est-à-dire que nous voyons dans un miroir et nous voyons d'une manière obscure. Mais alors, il arrivera un temps où nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Acclamons la parole du Seigneur. Le chrétien, toi enfant de Dieu, comment tu gères les problèmes qui se posent devant toi? Des problèmes qui ne devraient pas être. Mais tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Et cette question, ce passage que nous venons de lire va nous dire comment y arriver. Et je dis et j'insiste, ton succès, ta victoire, voir les miracles de Dieu, témoigner de sa bonté, dépend de la manière dont moi et toi nous gérons les énigmes. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. Le texte que vous venez de lire ici, c'est l'apôtre Paul. Cet apôtre qui a écrit plus de 70% des écrits dans la Nouvelle Alliance. Mais il affirme ici une chose très importante qu'il nous dit. Cette chose qui va nous aider à comprendre comment gérer les ennemis. Amen. Il dit aujourd'hui, dans sa vie, à l'église, quel que soit ce que je suis, pasteur, docteur, bishop, archibishop, quadribishop, aujourd'hui, nous connaissons en partie. Il y aura un temps. Pourquoi est-ce que il nous dit cela? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur aujourd'hui de partager sur ce thème? Comment bien gérer les énigmes de la vie? Comment nous comporter lorsque nous sommes devant des défis difficiles à comprendre? Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi j'insiste? C'est parce que vous savez, nous tous ici en tant qu'enfants de Dieu, nous tous d'ailleurs en tant que créatures de Dieu, que ce soit nous, chrétiens, nés de nouveau, sauvés, ou même l'ensemble de la création, Dieu nous a doté des raisonnements. Nous sommes ce qu'on appelle des cerveaux qui réfléchissent. Lorsque nous sommes devant des événements, pour que nous puissions accepter ces événements-là, nous devons comprendre. Amen. Parce que Dieu nous a donné une capacité d'analyser. Et ce message tombe à point nommé. Pourquoi? Parce que regardez la période que nous sommes en train de traverser. D'abord, maintenant, il y a des dames tout court. Parfois, on se pose la question, pourquoi ça? Pourquoi? Parce que nous avons prié. Pourquoi? Parce que nous avons jeûné. Pourquoi? Parce que j'ai dit, quand on parle des énigmes, c'est des choses qui nous arrivent, qui ne doivent pas, selon notre compréhension de la parole. Dieu nous dit, demandez et tu auras.
Cherchez et tu trouveras. Frappez et on t'ouvrira. Combien de fois tu as demandé? Combien de fois tu as cherché une chose? Combien de fois il t'est arrivé de chercher une chose? C'est une énigme. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a fait. Matthieu 7, 7. L'un des versets les plus connus de la Bible. Comment expliquer que c'est Dieu qui confesse? Vous savez, des fois, des situations comme ça, parfois on se dit, on se cache. Il y a des situations de la Bible ici, parfois on ne veut pas les évoquer. Comment expliquer, par exemple, que nous avons connu ici il y a quelques années un fait que la plupart d'entre nous y connaissent, un serviteur de Dieu. Dimanche avant, consacré comme pasteur lui et sa femme, 7 jours plus tard, il prend sa voiture. Il va déposer son enfant vers Verviers ici, à l'internat. Un païen, comme sa voiture, le païen sort indemne, le pasteur, sa femme pasteur, un de ses fils meurt. Comment expliquer ça? Comment, lorsque nous voyons des circonstances comme ça, parfois les chrétiens ne savent pas quelle réponse donner. Mais Dieu te dit que des circonstances comme ça devront arriver. Combien de fois parfois nous avons vu des chrétiens pieux, des gens qui prient, des gens qui vivent bien, qui s'attendent à ce que Dieu puisse leur donner telle ou telle chose. Non. Mais quelqu'un qui est à côté, qui vit dans la débauche, quelqu'un qui ne respecte pas Dieu, lui semble avoir la toute bonne réponse aux questions. C'est une énigme. Amen. Et des énigmes comme ça, il y en a plein. Il y en a plein tous les jours ici. Si il nous était demandé à chacun d'entre nous ici d'énumérer quelques énigmes qu'il est en train de vivre pas il y a longtemps, actuellement, beaucoup d'entre nous vont assister. Il y a deux ans, alors que l'Église dit proclame des miracles en 2020, tout fermé, toutes les églises, il y a eu de jeûne, il y a eu de prière. Non seulement il y a eu de jeûne, confinement, personne ne sort. Comment expliquer, alors que nous prions, alors que nous avons un Dieu tout-puissant, comment expliquer une histoire comme ça? Si tu n'as pas de réponse à ce genre de questions, tu vas échouer. Amen. Nous devons comprendre pourquoi, parce que c'est ça qui peut nous aider à traverser la période comme celle qu'on est en train de vivre. Parce que c'est d'abord plus dur. Parce qu'il y a certaines énigmes qui créent la souffrance. Amen. Il y a certaines énigmes qui créent la douleur. Quand des énigmes comme ça créent la douleur à nous, c'est difficile. C'est très difficile. Et si moi et toi, nous ne sommes pas capables de bien les gérer, bien-aimé, il y a un piège terrible. Et nous, on aura difficulté de témoigner de la bonté de Dieu. Pourquoi? Je le dis, je le répète, parce que les énigmes, tu les as vécues, les énigmes, tu les vis, et les énigmes, tu les vivras encore. Toute la question maintenant, c'est que comment survivre lorsque les énigmes frappent à la porte? Même si elles nous amènent des catastrophes. Parce que quand je parle de l'énigme, il n'y a pas que des accidents, il n'y a pas que Covid. Les énigmes, parfois, c'est. N'as-tu jamais remarqué que dans la vie, parfois, il y a des choses bizarres. Tu peux travailler. Et tu t'attends à ce que. Ah, lorsque mon salaire va tomber, il y a tel projet. Le salaire tombe aujourd'hui le soir, tu as une facture ou un problème qui enlève tout. C'est une énigme. Et souvent, combien de fois ça nous arrive à chacun d'entre nous ici? Une succession bizarre. Tu as l'impression, parfois on commence à dire, oh mais tu vois, tous les services ils sont reliés à un réseau. Non! Ce sont des énigmes. Combien de fois parfois nous vivons comme l'avait vécu autrefois le peuple d'Israël? Nous trouvons ce passage dans le livre de Juges, 6e chapitre. Avant qu'on parle de Gédéon, mais si nous lisons à partir du premier verset, on nous parle
d'un peuple qui était le peuple de Dieu, les Juifs, les Israélites. Ils cultivaient, au moment de cultiver, c'est eux qui souffraient. C'est eux qui poussaient des cris. Mais chaque fois qu'ils avaient fini, il était écrit dans la parole de Dieu, Juge 6, verset 3, Madian lui venait pour. Au moment de la récolte, Madian et Amalek venaient. Combien de fois parfois tu peux travailler. Au moment de la récolte, tu n'as rien. C'est des énigmes. Et des énigmes comme ça, nous devons chercher à bien les gérer. Il y en a partout. Et ça arrive même. Vous savez, il y a une histoire racontée dans la Bible ici. Parmi les disciples de Christ, il y avait deux frères. L'un s'appelait Jean. Jean, c'est celui qui a écrit l'Apocalypse, l'Évangile de Jean. Et même d'ailleurs les épîtres de Jean. Il avait son frère qui s'appelait Jacques. Il y avait deux Jacques. Le frère de Jean, on l'appelait Jacques le Majeur. C'était des pêcheurs. Ça fait partie des quatre disciples que Jésus avait, André et Pierre. C'était les quatre que Jésus avait députés comme disciples parmi les premiers. D'ailleurs, c'est Jacques lui-même qui avait d'abord été choisi comme disciple. C'est lui qui est allé trouver son frère, Jean. Leur mère, tout le monde ici, je parle plus pour l'histoire. Une fois intercède auprès du Seigneur, il dit, ne peux-tu pas faire, Seigneur, pour que lorsque tu seras dans ta gloire, Jacques soit à ta droite et Jean à ta gauche. Pourquoi le texte, n'est-ce pas? Mais regardez que deux frères, deux disciples, Jacques, lui, a été décapité, mort très jeune. Et Jean, son frère, qui avait été recruté par Jacques, lui a vécu plus de 100 ans, jusqu'à ce qu'il a écrit le livre d'Apocalypse. Comment expliquer ça? Comment expliquer que nous pouvons être dans cette église? Nous avons, nous tous, écouté la même prédication. Et après cette prédication, tout le monde a apprécié. Tout le monde a prié. Mais le dimanche d'après, notre témoin, oh, j'ai vu la main de Dieu, il m'a fait ceci. Mais toi, avais-tu mal prié? Non! C'est une énigme. Amen. Et tu dois savoir gérer ça. J'insiste parce que c'est la manière dont on sait gérer les énigmes, les choses difficiles de la vie. C'est de cette manière que moi et toi, nous saurons avoir nous aussi la victoire et témoigner. Parce que les énigmes, on va les vivre. Les problèmes difficiles, on va les vivre. Mais le problème, c'est que ces problèmes difficiles sont des pièges. Sont des pièges. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes devant des énigmes comme ça, hein, la toute première réaction, même si on ne les dit pas comme ça publiquement, il y a des questions dans la tête. Dieu, mais pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Combien de fois, dernièrement, lorsque nous avons perdu un pasteur ici dans la région de Marais, on a entendu le Dieu se dire, mais après autant de prières, tu sais quand quelqu'un dit, si la prière pouvait faire que quelqu'un ne meure pas, c'est qu'il y a un doute qui est entré dans le cœur de cette personne. Amen. Alors quand Dieu va insister, par exemple comme il insiste, de prier ici, vous savez pourquoi on insiste? C'est parce que la plupart d'entre nous disent ça, le dit, nous avons l'impression que Dieu n'écoute pas la prière. Amen. Mais moi je te dis que Dieu écoute la prière. Amen. Prie et tu verras la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas que tu pries. Le problème, c'est que lorsque entre ta prière et l'exaucement, il y a une énigme, toi tu dois savoir gérer cette énigme. Lorsqu'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, vous savez, il y a une star. On peut citer ici beaucoup d'exemples. Une star de la Bible. C'est Jésus qui témoigne de cet homme. Il s'appelle Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Celui qui a annoncé le Christ. Celui qui a dit. C'est lui qui vient, moi je ne suis rien. Mais c'est lui qui vient, moi je suis le baptême de nouer les lacets de ses sandales. C'est lui qui a baptisé le Christ le Messie. Et en plus, il fut même cousin du Christ. C'est lui qui a le jour du baptême, on dit que le ciel s'est déchiré. Le Saint-Esprit est sorti sous forme de colombe. Mais cet homme, un jour, devant une énigme,
le doute a gagné sa tête. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il a envoyé même de ses disciples pour dire, allez un peu contact. Jean-Baptiste, toi ici qui as témoigné de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était devant les énigmes. Les énigmes sont des problèmes difficiles. Lorsque nous sommes frappés par des problèmes qui touchent nos émotions, qui touchent parfois même notre corps, comme notre santé, ou même des choses qui font couler des larmes, je vous dis, nous sommes fragiles. Et n'oublions pas que j'insiste beaucoup. Pourquoi? Parce que le diable ne peut nous attaquer que lorsque nous sommes dans la période de fragilité. Si tu ne sais pas comment gérer les moments de fragilité, les moments où tu te trouves devant des choses que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas réaliser, si tu n'es pas capable de bien gérer ces instants-là, le diable va te voir. Parce que les Écritures nous révèlent qu'il se tient à mes côtés. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et 9. Il dit quoi? Notre adversaire, il rôde. Mais pourquoi il rôde? Parce qu'il est adversaire. Il rentre parce qu'il ne sait pas nous attaquer comme ça. Il entre, il oublie, et il attend que le moment qu'une énigme arrive pour qu'il puisse frapper. Amen. Regardez cet homme. Quand il ose même, on dit que Jésus est allé jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. On sait que Jésus, dans le corps, il avait les mêmes sentiments que tous les humains. Mais regardez que Jésus, ayant eu faim, et il a eu soif. Lui a vu qu'il y avait une énigme. C'est le moment qu'il a utilisé pour venir tenter Jésus. Et voilà pourquoi j'insiste que les moments de calamité, les moments où nous sommes confrontés aux problèmes difficiles de la vie, sont des moments terribles. Sont des moments délicats où nous devons faire attention. Amen. Parce que le diable n'utilise que ces instants-là pour chercher à nous frapper. Ce sont des moments où toi et moi, nous sommes faibles. Ce sont des moments où nous devons tout faire pour veiller à ce que toutes nos fenêtres soient bien fermées. Parce que l'ennemi est là. Parce qu'il rôde. Parce que c'est un ennemi difficile. Vous savez, le diable ne peut pas t'attaquer car il voit que tu n'es pas devenu libre. Il ne le fera jamais. C'est lorsque tu es devant une montagne, tu es devant un problème, tu crois avoir tout fait pour que le problème puisse trouver une solution et que tu ne trouves pas, tu es devant une énigme. C'est alors là que tu es fragile. C'est alors là que les questions vont sauter dans la tête. C'est alors là qu'il va maintenant chercher à te donner des raisonnements. Il va, vous savez, lorsque Jésus nous présente notre adversaire, il dit, j'aime bien ce passage, cette parabole, du blé et de l'ivraie. Où nous devons faire attention quand Dieu insiste que nous puissions prier. Ce n'est pas parce que quand tu pries, la prière va te donner ce que tu veux. Non. Quand tu pries, tu fermes les portes à toutes les attaques du diable. Alors quand tu fermes, quand tu tombes, quand ta foi, parce que les problèmes où quand nous traversons le monde des énigmes, c'est que le diable veut attaquer, c'est notre relation avec Dieu. Que nous puissions pas chercher encore l'intimité. Le diable ne veut pas. Ce n'est pas de ma voiture, de mon argent que le diable a besoin. Non. Le diable. Le diable, tout ce que. Si, vous savez, quand il tape le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit? Tous les royaumes de la terre ici, tous les biens précieux m'appartiennent. Si tu m'honores, moi, à la place de Dieu, je vais te les donner. Jésus n'a pas dit que c'est faux. En d'autres termes, ce que le diable veut, c'est casser notre foi. Casser, mettre à nous une attitude qui fait que nous puissions lâcher la main de Dieu. Et le moment propice pour que cet être complètement méchant puisse nous atteindre, c'est lorsque nous traversons un moment de fou.
nous sommes confrontés à des difficultés, lorsque nous sommes devant des problèmes que nous n'avons pas analysés, alors comme c'est une personne qui est méchante, comme c'est une personne qui est aussi rusée, c'est alors qu'il va utiliser des moments de ce genre-là pour chercher à te séparer de Dieu. Amen. Pour chercher à te pousser à ce que tu te poses des questions. Alors je prie mal. Alors je ne prie pas. Alors il y a peut-être à moi un péché. Non. Les énigmes font partie de ce que nous allons vivre dans sa vie. Pourquoi? Parce que ici, l'apôtre Paul nous révèle certaines choses. Étant donné que nous sommes des êtres rationnels, nous voulons tout comprendre. Lorsque tu cherches à tout comprendre, c'est alors que le diable peut t'aider à tout comprendre. Il peut te pousser à aller dans la mauvaise direction. Parce qu'ici, Dieu ne dit pas à la bouche de l'apôtre Paul que dans cette vie ici, bishop ou archibishop, amen. Même si tu as mémorisé tous les versets de la Bible en tête, tu ne sauras jamais tout. Tu dois, lorsque tu es devant des problèmes, nous sommes devant les mêmes questions. Dieu a d'abord commencé par les terres. Attends ton tour, ne te pose pas de questions. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons à Dieu, tout le monde a son temps. On dit ceci: Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ici, on ne dit pas le temps de Dieu. Non, au temps de la chose. Au temps de la chose. C'est-à-dire que il y a une saison pour que l'orage puisse venir. Si le temps de l'orage, ce n'est pas l'hiver, n'attends pas avoir les oranges en hiver. Dieu fait des choses au temps des choses. Chaque chose a sa période. Chaque chose a sa saison. Dieu a déterminé que les orangers, c'est en été. Regardez tous les arbres, par exemple. Regardez les pommiers, là, qui nous ont embêtés en été comme jamais. Nous avons des sacs et des tonnes et des tonnes de pommes. Mais maintenant, où sont les pommes? Pourquoi? Parce que ce n'est pas. Mais attendons. Vous savez, attendons lorsque va arriver le temps des pommes, qu'il pleuve ou qu'il neige, personne ne va arrêter les pommes de ta vie. Amen. C'est ça le problème. Ne cherchons pas à tout comprendre. Ne cherchons pas à tout analyser. Ne cherchons pas, ici, j'insiste beaucoup, pourquoi? Parce que c'est là le piège que l'ennemi, lorsque tu vas chercher à réfléchir, pourquoi pas moi maintenant? Mais pourquoi ne pas être, pourquoi pas toi maintenant? C'est Dieu qui sait. Dieu doit toujours commencer par quelque chose. Il doit toujours commencer quelque part. Il y a un ordre. Et l'ordre que Dieu fait, Dieu ne se trompe jamais. Dieu n'a pas commencé par créer l'homme. Je parle ici l'homme avec une grande H, l'homme et la femme. Il a commencé d'abord par autre chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais tu ne peux pas, toi, homme, ou les plantes, dire, mais pourquoi il n'a pas commencé par les plantes? Et si vous remarquez, la manière dont Dieu a fait ces choses est toujours la meilleure. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu fait, imaginez-vous, sans que Dieu ne puisse créer les arbres, les plantes, les cours d'eau, la lumière, s'il avait commencé par les hommes, ce sont les mêmes hommes que les plantes. Mais pourquoi Dieu, combien de gens parfois nous avons vu des gens? Pourquoi? Parce que lorsque nous créons un fruit qui n'est pas à sa saison, cette fruit-là est amère. C'est comme un poison. Et nous n'oublions pas, bien-aimés, que Dieu connaît. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Parce que le roi David témoigne que même à l'époque où nous n'étions qu'une masse énorme, où nous n'étions même pas nés, nous n'étions même pas conçus dans les seins de nos mamans, Dieu nous connaissait. Amen. Il a le plan pour chacun d'entre nous. Et le plan de Dieu est un plan de paix. Le plan de Dieu, c'est qu'il veut nous voir dans le bonheur. Dieu veut voir tout le monde dans la paix. Ce que Dieu nous demande, que souvent les savants théologiens appellent la foi, c'est-à-dire, moi j'aime bien le dire avec des mots simples, Dieu nous veut avoir confiance en lui. Quand que les choses, tu les comprennes ou que tu ne comprennes pas, rends-toi à Dieu. Parce que le fait de chercher à tout comprendre, alors que nous avons un cerveau limité, alors que c'est Dieu lui-même ici qui confirme, il dit qu'il y aura un temps où on comprendra pourquoi est-ce qu'il a fait autre chose. Ça, c'est lorsque nous serons face à face avec lui. Il sait que dans ce monde où nous vivons, il y a parfois certaines choses.
Est-ce que nous savons qu'il y a certaines choses, si on te les révèle au mauvais moment, ça peut te pousser à faire du mal? Voilà pourquoi même toutes les bonnes choses, lorsqu'on veut les communiquer aux gens, on les cherche toujours à trouver un moment opportun. Sur cette terre, au moins et toi nous sommes en train de vivre, on dit que le monde ici est au pouvoir de qui? De notre ennemi. Et cet ennemi-là, l'évangéliste Jean, dont je viens de parler ici, lui, Jésus nous parle par son évangile. Dans Jean 10, il donne trois, tout ce que le diable cherche. Il dit, le voleur vient pour quoi? Tuer. Pour faire quoi? Égorger. Pour faire quoi? Détruire. Et si nous regardons bien ce passage, il procède par degré. Il vient avec une petite chose. Car il te vole l'argent. Lorsque toi tu as l'argent volé, tu vas chercher maintenant à tuer toute l'église. Parce que tu as même les voisins de l'église. Lorsque tu as contaminé, que ce soit l'église ou ta famille, alors tu vas tout détruire. C'est comme ça qu'il procède. Et Dieu le sait. Ne cherchons pas à tout comprendre. Parce que lorsqu'on cherche à tout comprendre, le diable peut nous pousser à penser, ah, est-ce que Dieu est injuste? Pourquoi est-ce que Dieu accepte? Est-ce que Dieu n'était-il pas capable d'empêcher que Jacques soit tué? Il était capable. Mais pourquoi a-t-il laissé? On ne connaît pas ses noms. L'heure viendra, on comprendra. Et lorsqu'on comprend, n'avez-vous jamais vu, bien-aimé, que souvent, il peut nous arriver quelque chose. Chacun d'entre nous se dit, je suis déjà arrivé et je suis sûr et certain. Tu as regretté. Et quelques temps après, dans ton fond intérieur, tu dis Dieu merci. Parce que si j'étais parti faire cette chose-là, aujourd'hui je l'aurais regretté. Lorsque Dieu parfois fait que certaines choses paraissent devant nous comme des énigmes, nous ne devons pas chercher à tout comprendre. Nous ne devons pas chercher à tout analyser. Aujourd'hui, j'attire l'attention à l'Église parce que nous voulons tout analyser. Nous avons des explications à toutes choses. Si ça t'arrive, ça ne t'est pas arrivé encore, c'est parce que... Non! Ici, Dieu nous dit, dans ce corps où nous sommes ici, nous devons accepter à toujours continuer à faire confiance à Dieu, même si nous sommes devant des situations difficiles que nous n'arrivons pas à comprendre. Et si nous traversons en continuant toujours à faire notre confiance à Dieu, Dieu finira par agir. Amen. Et c'est... Regardez, les exemples sont les gens. Voilà pourquoi est-ce que Dieu appelle l'Église et il utilise des vocabulaires, des mots du genre la persévérance. La persévérance, on ne peut persévérer que lorsqu'on fait quelque chose. On fait tout pour avoir des résultats, mais les résultats ne sont pas là. On fait quoi? On persévère. Amen. Amen. Dieu nous dit parfois de continuer. Continuer, ça veut dire que tu as fait des choses. Tu as fait des choses. Maintenant, tu n'as pas encore des résultats et te poses pas des questions. Continue à faire des choses. Et c'est comme ça. Dieu n'utilise pour nous que le vœu qui nous pousse à ce que, nous puissions accepter. Accepter de vivre. De vivre avec des choses que nous ne comprenons pas. Vivre avec des choses que nous ne comprenons pas en continuant toujours à manifester notre attachement à Dieu. Si jusqu'à présent, tu as prié pour un sujet et que tu es devant une énigme, ça fait combien d'années? Ne cesse pas de prier. Continue toujours à prier. Amen. Si jusqu'à présent, tu t'attends à une promesse que Dieu lui-même a dit, mon enfant, chacun de mes enfants, quand il prie, je donne. Quand il demande, je donne. Et qu'il n'a pas encore demandé, Dieu n'a pas dit, demande une fois. Le verset ne dit pas ça. Il n'a pas dit, demande une fois, je donnerai. Il a dit, demande. Pourquoi tu t'arrêtes? Est-ce que réellement, quand on demande une fois, deux fois, on s'arrête, est-ce qu'on a fait la volonté de Dieu? Dieu n'a pas déterminé. C'est Dieu lui-même qui sait que maintenant le temps est arrivé. Comme il l'avait fait pour Corneille. Où il a dit à Pierre, vas-y maintenant. J'ai vu que toutes les aumônes, j'ai vu que le quota que j'attendais de cet homme a atteint le montant. Alors va, et il va en avoir. Ici,
Bien-aimé, je voudrais petit à petit arriver à atterrir. C'est une exhortation. Parce que je sais que nous avons le cœur en larmes. Nous avons le cœur qui s'aime. Et nous nous posons beaucoup de questions. Oui, mais il y a des questions auxquelles Dieu, lui, dans sa souveraineté, a choisi que maintenant nous n'avons pas. Il est écrit dans la parole de Dieu que la gloire de Dieu, c'est quoi? De cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de chercher les choses. Faisons notre part. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir. Pourquoi il est dit? C'est parce que, vous savez, à l'époque de Paul, le miroir n'était pas en glace. N'était pas en glace, en verre. Le miroir était fabriqué en bronze. Il ne donnait pas une image aussi nette que l'image des miroirs que nous avons, nous, dans notre temps moderne. À l'époque, avec du bronze, tu sais, c'est comme quand tu te regardes là. Tu peux arriver quelque part dans un train, tu as envie de regarder si ton visage est propre. Mais tu es devant une plaque, peut-être appelée plexiglas, qui reflète ton image, mais ton image qui est incomplète. Ça, c'est ce que nous sommes maintenant. La connaissance du cerveau, cette connaissance-là n'est pas capable de comprendre toute la profondeur de Dieu. Mais Dieu te dit ici que même si tu comprends tout, tu ne comprends pas tout, continue toujours à faire confiance. Ne cherche pas à t'affaiblir. Ne tombe pas dans le piège de cesser de faire des choses, de cesser de prier pour certaines requêtes, parce que pour toi, tu crois plus au médecin qu'en Dieu. Dieu dit, la parole de Dieu nous dit que nous serons la tête et nous la queue. C'est-à-dire que nous allons dominer et personne ne va nous dominer. Il nous dit que si vous avez la foi comme un grain de sève, toute montagne devant nous sera élevée. Tant qu'il subsiste encore des montagnes, des énigmes devant toi, continue toujours à faire confiance. Parce qu'il n'y a aucune montagne qui peut résister à la parole de Dieu. Continue à confesser la parole. Persévère dans la prière. Persévère toujours à faire confiance à Jésus. Tu n'auras jamais compris. Tu ne comprendras pas. Aujourd'hui, ceux qui nous ont poussés dans la gloire, parfois, ils disent à Dieu, Dieu, pardonne. Alors que là, de l'autre côté, tu ne peux pas demander pardon. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dieu veut que nous continuions toujours à avancer avec lui. Que nous continuions toujours à lui faire confiance. Oui, tu as des questions. Il les sait. Continue. Persévère. Et tu feras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse ta parole.